fait d'être humain, d'être vivant. Suite à plusieurs expériences mystiques depuis petite, je n'ai pas l'impression, enfin, je n'ai pas l'impression, on va dire, bon, ok. Ce que je veux dire, c'est que en tant qu'enfant, moi, vivre n'est pas si compliqué que ça. Mm-hmm. Par contre, je ne sais pas quoi dire à mon enfant, moi, quand je pense à mourir, mm-hmm. tout simplement. C'est-à-dire que du point de vue de vivre et de goûter la vie, de l'espace de ces expériences, ça me paraît ok. Par contre, autant au quotidien, soit la CNV, soit depuis cet espace-là, je peux réussir. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus ouais. fort? Plus fort? Ouais. Donc, ma question est, en réponse à une inquiétude, et surtout, je n'avais pas de clarté véritablement à me donner lorsque je pense à la mort. Puisque d'où je suis, il me semble que ce que l'être humain que je suis est constitué de la même chose de tout, enfin de vie. Donc, l'immortalité d'une part de moi n'est pas un problème à assimiler, mais par contre, il s'avère que mon enfant, moi, lui, il dit, mais oui, mais moi, quand je vais m'éteindre, qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je fais? Et je n'ai pas en moi de réponse pour le rassurer. Voilà. Mmh. Donc, oui. Mon problème n'est pas de vivre, mon problème serait de mourir. C'est ça. Voilà. C'est un peu notre problème à tous, hein, normalement. On arrive à peu près à vivre, mais on s'inquiète un peu avec cette petite date de préemption. En fait, ça ne me pose pas de problème dans l'idée de mourir. Non. En soi, de toute façon, ça me pose de problème. En fait, c'est la même chose. C'est ça. C'est de cette immortalité, j'ai un souci entre la conscience de mon immortalité et la conscience de ma mortalité. Oui. Voilà. Il y a un espace entre les deux et je n'ai pas de réponse à donner à la part en moi qui est inquiète. Hein. Et cet espace, en fait, est dans probablement ta vision, la façon dont tu poses la chose. Hein, parce que tu dis, il y a un problème entre ma vision de ma mortalité et de mon immortalité. Et effectivement, s'il y a ta vie et ta mort, alors on a rien à dire à l'enfant, moi, qui peut le rassurer. Mais ce qui est, il n'y a pas ta vie et ta mort. Il y a la vie et ta mort. Ce qui va moyennement rassurer l'enfant, moi. Mais il n'y a pas, tu as dit tout à l'heure, je peux être en paix avec le fait qu'une part de moi est immortelle, mais une part de toi n'est pas immortelle. C'est une part de la vie éternelle que tu es et mortelle. Tu es la vie éternelle, manifestée sous forme d'un humain mortel. Donc la vie éternelle que tu es s'est mise au monde en devenant quelque chose de mortel. Donc dans la vie éternelle que tu es, il y a une part qui est mortelle. Mais tu n'as pas une part immortelle. Ça voudrait dire que tu es le tout qui a une part. La vie éternelle n'est pas une part de toi, tu es une part de la vie éternelle. Donc la vie éternelle que je suis se met au monde en tant que, voilà, les centaines, les milliers de parts que nous sommes, et ces organismes que nous sommes, corps, émotions, pensées, sont, avec une date limite, sont mortels. Donc, rien ne va rassurer, on n'a pas à rassurer l'enfant, moi, on a à être très honnête quand il dit, je vais mourir, oui, mon chéri, tu vas mourir. Oui, tu vas mourir, le corps va mourir, les émotions vont mourir, les pensées vont mourir, l'organisme que tu es, si on définit l'enfant-moi comme la conscience identifiée aux sensations, aux émotions, aux pensées, se vivant comme séparé de la vie éternelle que nous sommes, oui, cet enfant-moi va mourir. Et il ne va rien en subsister. Ensuite,
Donc on ne peut pas rassurer l'enfant moi et ce qui est mortel. Ensuite, ce que j'ai à rassurer dans mon être, je suis. Qu'est-ce que c'est la résurrection dont parlait Jésus? Qu'est-ce que c'est cette vie éternelle dont il disait celui qui ne naît pas une deuxième fois de son vivant, celui-là n'entrera pas dans le royaume. C'est découvrir de mon vivant, si possible, parce qu'après ma mort, ça va être un peu compliqué. C'est changer mon identification. Tant que je crois que je suis mortel, je vais mourir. Je vais mourir, puisque je suis identifié à ceux qui meurent. Mais si avant que je meure, je découvre la réalité de qui je suis, la réalité que, oui, je suis manifesté en tant que cet organisme, corps, émotion, pensée, mais la réalité totale de qui je suis est que je suis cette vie, que vous l'appeliez la vie, Dieu, peu importe. Je suis cela qui s'est manifesté en tant que cet organisme, corps, émotion, pensée, et qui continuera à être après que cet organisme ait disparu. Alors si je découvre que je suis cette vie éternelle, alors il n'y a plus de peur ou de désespoir. Mais ça n'empêche pas que nous puissions avoir une préférence à être cet organisme, à vivre en tant que cet organisme. Ça, c'est OK. Donc l'enfant, moi, il a avant tout besoin d'empathie parce que lui, il aime bien être. Et ceux qui, en l'enfant moi, aiment être vivant et la vie éternelle. La vie éternelle s'est mise au monde en tant que chacun des enfants que nous sommes pour se goûter dans la merveille et le miracle de notre uniquité à chacun. Nous sommes uniques. Donc ceux qui en nous dit « Oh, mais moi, je ne voudrais bien pas mourir. » Quand même. Encore un petit peu. C'est la vie qui dit ça en nous. C'est la vie qui dit j'aime bien être moi. C'est magnifique. Je suis, aime être moi en chacun. Il aime. Sinon, si je suis aimé pas être vous, il ne serait pas en train d'être ce que vous êtes. C'est simple. C'est notre job d'être ce que nous sommes, exactement tel que nous sommes. Avec mon addiction pour les nounours à la guimauve et tout ça. C'est la façon dont ce je suis aime être moi. Ensuite, comme pour se mettre au monde et jouer au jeu de la relation, la vie, Dieu, le Père, appelez-le comme vous voulez, se différencie et s'oublie et joue à s'oublier dans sa manifestation, alors nous nous percevons comme séparés. Et comme nous nous percevons comme séparés, nous oublions que nous sommes la vie éternelle et nous nous attachons, nous faisons un grasping à l'organisme que nous sommes. Et ce qui était une préférence quand même de la vie à être moi devient à un moment donné un attachement. Et je vais tout faire pour ne pas mourir et si je dois tuer pour vivre et si je dois sacrifier quelqu'un et faire des choses épouvantables, enfin voilà, et là il va se passer beaucoup de choses. Est-ce que ça te parle un peu par rapport à ta question? Oui. Je comprends surtout qu'effectivement c'est surtout l'attachement à être vivante. Oui. Qui motive plus que la peur de mourir. Uh-huh, oui. Donc à ce moment-là, je me mets en empathie avec l'enfant, moi. Je l'accueille avec tendresse. Je lui dis, mais tu aimes bien être vivant, chérie. Mais oui, je comprends. Mais bien sûr, je comprends. La vie aime être vivante, sous des formes spécifiques. C'est pas, tu vois, c'est pas une erreur égotique. C'est pas, enfin, de toute façon, il n'y a jamais d'erreur. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a que des ignorances par moment, mais c'est tout. Donc on accueille les deux et on donne un peu d'informations. Si c'est ce que nous vivons, parce que parler de la vie éternelle, si ce n'est pas une expérience directe que je fais, alors c'est conceptuel et ça n'a aucun intérêt. Mais si je goûte que je suis la vie, si je goûte que avant moi je suis, si je goûte cette expérience, alors je peux faire vivre à l'enfant moi cette expérience
Moi, je lui parle pas à ce moment-là. Je parle avec mon enfant, moi, pour être en empathie avec lui. Mais quand je veux lui faire goûter l'expérience que, mon chéri, je comprends, tu préfères être vivant, je comprends vraiment. Et en même temps, si jamais tu avais peur que tout disparaisse, j'imagine que cette peur que tu as, c'est la peur de plus, qu'il n'y ait plus aucune conscience, qu'il n'y ait plus rien. Mais viens, et là, je le prends, je l'absorbe dans les bras du Père, dans les bras de la conscience que je suis. Et je lui fais découvrir, regarde, je suis la vie éternelle. Ce que je suis ne va pas mourir, mon chéri. C'est comment pour toi? Ah oui. Et en tant que conscience que tu es, si tu communies avec moi, si tu t'absorbes en moi, ce que tu es à ce moment-là aura aussi la vie éternelle. Si avant de mourir, le Fils devient un avec le Père, alors, c'est pas il aura la vie éternelle, il va découvrir qu'il est la vie éternelle. Si le Fils devient un avec le Père, avant de mourir, la conscience du Fils se fond dans la conscience du Père et cette petite goutte va continuer à goûter le spectacle en tant qu'océan cosmique. Mais elle ne sera plus une petite goutte séparée avec une vie de petite goutte, avec une vie de... Mais c'est comme si son regard, parce que la conscience voit, son regard pourra continuer à s'émerveiller en tant qu'océan, parce que l'océan est composé de milliards de gouttes. Mais elle ne sera plus la petite goutte qui a sa vie de petite goutte ou sa vie de petite vague avec je fais un remous, je fais une écume, je vais sur le rivage, je reviens du rivage. Ça, non, on va lui dire ça, chérie, ça oui, ça va mourir pour toujours, cette indépendance-là de l'océan. Mais si tu t'éveilles à ça avant, après dire cela, à un risque, c'est relancer l'enfant moi dans une quête. Hein? C'est que ça le relance dans je veux. Et si je goûte pas assez la communion avec le Père, je veux communier avec le Père. Mais je pense que dans ton cas, ça c'est pas le cas. Donc, merci.